peu importe l'âge, peu importe le moment, les quelques secondes juste avant le match. Bonsoir à toutes et à tous, atmosphère grandiose ici pour assister à cette affiche. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez, alors vous n'y êtes pas. Au menu, c'est donc un match de poupe dans cette UEFA Champions League. Quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre de points bêtement. Et ça joue sur Fede Valverde. Intervention, super. Ça va vers le point de pénalty. Et un arrêt qui fait du bien. Un très bon arrêt très tôt dans le match. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est parti très fort. Allez, ça presse sur Théo Hernandez. Quand on regarde le tableau de cette Ligue des Champions, c'est le choc tant attendu qui va maintenant avoir lieu. Inutile de dire qu'on attend tous ce match, au moins depuis le tirage au sort. Et oui, parce que dans ce genre de duel, tout est possible. Les... Attente, regardez ce qui se passe. Facile dans les bras du gardien. Bien défendu. Théo Hernandez. Gilles Van Dijk. Le ballon change de pied. Allez, dans le couloir, Aldo qui peut avancer. Et ici l'occasion pour mener. Allez, le ballon écarté de la zone dangereuse. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Warren Zaïre-Emery. Avec Kylian Mbappé. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Avec un peu d'espace sur les côtés. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Le point de pénalty. Oui, bien. Oh, le sauvetage miraculeux. CR7. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Avec Kylian Mbappé. Superbe intervention dans la surface. Allez, ça presse bien. Le ballon en touche. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Luka Modric. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré, reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Odegaard avec le ballon. Et maintenant Fede Valverde. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ah, Modric, bien vu la passe. Attention, Kylian Mbappé. Elle le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Oh oui, c'est au fond, bien suivi. Le ballon était mal repoussé face à un tel réalisme. Évidemment, ça fait but. Le danger dans la profondeur. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oh là là, le nouveau but. Quelle équipe, quel réalisme. De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Pedro González. C'est pour Van Dijk. McAllister. Ah,
excellente couverture de balle pour résister à la pression. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Allez, c'est donné en profondeur. Oh oui, le voilà, le but pour assommer le match. Trois longueurs d'avance maintenant. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Et au programme à venir, c'est donc une rencontre de Ligue 1. L'OL affrontera Clermont. J'ai hâte de voir ça. Un beau moment de football qui arrive. Bien parti dans le dos. Et oui, c'est dedans. Et c'est son troisième but dans ce match. Quelle performance, quel exploit. Et avec ce but, le score est sévère. 4-0. Théo Hernandez. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Aïe, la petite faute technique. Et le ballon sort. Joue en Cancelo. Zinchenko. Oh, et c'est bien servi. Liverpool qui reprend ce ballon. Et on vous rappelle ce match de Ligue des Champions à suivre bientôt ensemble. Liverpool affrontera l'Olympique Lyonnais. Regardez, regardez. Ouais, la parade. Ah, le centre évidemment en direction de ses partenaires. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. À une occasion de contre, à négocier. Vinicius avec le ballon. Centre vers Mbappé. C'est capté. Sans trop de problème par le gardien. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute. C'est fini, on en reste là. Donc dans ce match, et ça se solde avec une victoire de l'Olympique Lyonnais.